Bonjour Zazie. Bonjour. Plaisir de vous recevoir ici dans cette émission, chanteuse, autrice, compositrice. C'est pour ça que je dis, on va lui poser les questions. Comme c'est vous qui créez vos textes, on peut vous poser <laughs> toutes les questions <laughs> sur les textes. On vous doit allumer le feu. Là, c'était pour Johnny. Une palanquée de tubes pour vous Zen, Rue de la Paix, Larsen, Home Sweet Home. Ou encore sur le dernier album Speed, ce morceau incroyable qui ne cesse d'accélérer. C'était il y a 4 ans. Et votre actus, c'est ce nouvel album LP, dont on vient d'entendre le titre couleur. Donc l'avant-dernier, c'était essentiel, mais essentiel, écrit avec un C comme dans le mot ciel. Là aussi, il y a un jeu de mots LP, ça veut dire long play en anglais, c'est comme ça que disent les anglais. Oui. Mais vous l'écrivez LP comme une L, battre de l'aile, et la lettre P comme dans un hôpital. Je me suis dit, tout au bout de la cour, il y a le bâtiment C, l'LD. Ouais, c'est le bâtiment psychiatrique. Oui. Vous savez quoi Je l'ai écrit et vous l'avez dit avant moi. Non, non, alors c'est pas ça, hein. c'était juste le côté jeu de mots entre LP compris, et long compris. play. Mais euh, c'est marrant, alors il y a des gens qui le lisent aussi help » comme ah si oui. j'avais besoin d'aide. Mmh. Alors je ne sais pas, j'ai l'impression que je vais très mal, mais en fait, je vous alors, assure, je vais bien. Alors attendez, quand même, quand même. Euh, on explique, les journalistes, on reçoit le disque, bien que j'ai beaucoup, beaucoup aimé, un dossier de presse, et vous dites dans le dossier de presse, vous êtes accordé le droit de pleurer sans être non plus archi-dépressive. Enfin, tout le monde, hein. Oui. Mais c'est une bonne maladie de savoir euh, se laisser aller. Ouais. Alors c'est vrai que les Covid-1, 12 et 47 nous ont aidé à ça, <laughs> ouais. où on avait euh, du temps. Euh, du temps pour réfléchir, mais du temps aussi pour déprimer. Mais c'est bien aussi de s'accorder ce temps euh, à, la, à la tendreté, je dirais, côté un peu de la viande, en se disant tiens, alors aujourd'hui, mmh. je vais me faire totalement la, euh, tout le frigidaire. Mmh. Euh, et puis aujourd'hui, je vais pleurer, tiens, mais pleurer sur rien, pleurer sur moi, me plaindre de moi-même. Ouais. Et puis ça va mieux après. Alors il y a plein de titres, je dois le dire il y a plein, plein de titres ultra positifs. Oui oui, 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 oui. Le son ultra positif, des paroles ultra positives, mais évidemment. Je suis retors, je suis allé relever tout ce qui était dans la chanson Gilles. Vous dites nique ta mère, qu'est-ce qui me prend, serais-je dépressive <laughs> Dans Latin Shine, que j'adore, vous parlez de vos idées noires. Dans Là où je vais, vous dites il y a cette femme que je connais, que tu ne connaîtras pas, oui. tu aurais peur si tu savais ce qui se trame au fond de moi. Je me dis, mais ça, voilà une bonne question. Qu'est-ce qui se trame au fond de vous Oh C'est juste le. C'est juste la connaissance de soi. Je pense qu'on a. On, quand on a envie d'évoluer, que ce soit humainement ou même en tant qu'artiste, c'est bien de commencer par. Enfin, quand on dit charité, bien ordonner commence par soi-même. D'aller trifouiller un peu dans les, dans les, dans les endroits obscurs mmh. euh, de nos personnalités ou de nos agissements. Et quand on veut faire un métier d'auteur cohérent, euh, plutôt que de dire. Euh, si je parle par exemple d'une chanson, je parle de l'humanité dans, dans Lève-toi, euh, ça peut être très condescendant. C'est comme si j'avais fait. Je suis un homme en disant tu es un homme de Cro-Magnon salopard alors que moi je suis parfaite c'est pas possible puisqu'en plus c'est vraiment pas le thème donc je m'inclus dans ce que je dis donc je commence par décrire mes sentiments et, euh, et puis après bah, j'essaye d'en faire quelque chose de moins de moins réaliste et d'un peu plus rêveur et sympathique puisque vous parlez de lève toi je voudrais qu'on entende un court extrait parce que justement moi je me suis fait avoir on écoute un extrait ah. de la chanson du titre lève toi qu'est ce que tu dis qu'est ce que tu dis Perdu pour perdu, si tu sais pas bien pourquoi, au moins lève-toi, lève-toi. Qu'est-ce que j'apprends, qu'est-ce que Là, j je sais pas pourquoi, mais je pensais en entendant ce titre que vous adressiez à un ado qui traîne au lit. <laughs> et vous chantez perdu pour perdu, tu sais pas bien pourquoi. Je prends les notes de pochette comme je fais toujours. Et perdu pour perdu, il y a des E à la fin de perdu. Oui. Et je me dis donc, elle s'adresse à elle-même. Non. Alors, c'est per... votre fille Non. C'est votre fille qui Non, alors en fait, oui, j'avais envie d'un peu tromper l'auditeur. Le, le, alors, ça a très bien fonctionné. Euh... Puisque même là je suis voilà. Le début, ça peut être un espèce de t'es pas tout seul, Jeff ouais. de Brel, Alors, mm -hmm. On ne sait pas si c'est un copain, euh, une ado, euh, qui ou, voilà, ou quelqu'un qui va pas, quoi, qui mm -hmm. regarde le plafond et qui s'emmerde. Et puis à un moment donné, il y a une rupture. D'ailleurs, il n'y a que ce mot-là, et je dis humanité. Et en fait, c'était pour éclairer en disant si on peut prendre le début du texte en disant bah l'humanité est en train de regarder. J'ai incarné l'humanité, mais mon humanité aussi, celle qui est en moi et qui parfois, met un peu de temps, je pense que c'est vraiment un muscle. Qu'il faut masser l'humanité en soi. Euh, C'est quand même le, le, le propre et la beauté de, de, de l'humain. Hein. C'est quand même. Euh, euh, voilà, c'était une fois de plus m'observer, moi, en me disant il y a des moments où on a envie de se protéger, où on a envie de fermer les volets, où on a envie de. de, de, de on, on est un peu misanthrope, surtout dans mmh. nos métiers. Alors que euh, la solidarité, euh, s'associer à, à, à n'importe quelle euh, cause, fait du bien en fait. On est ici une émission média. Moi je pensais que l'humanité c'était un journal créé par Jean Jaurès. Non, c'est un <laughs> muscle qu'il faut masser. Elle a raison Zazie. Elle revient. Culture média continue à tout de suite.